Salut à tous, c'est le frère Warner. Salut. Aujourd'hui avec Seb, on s'est lancé un nouveau petit défi. On va essayer d'éteindre un feu en tirant à distance sur un extincteur. Et donc pour ça, on va utiliser une arme qu'on vous a jamais présentée encore dans nos vidéos. Seb, tu nous la présentes? J'arrive. Alors, j'en ai fait quoi? On va tirer avec ça. 44 Magnum, pas mal. Donc pour ça, on va utiliser un extincteur à poudre de 6 kg. Et juste devant, on va allumer un feu et on va se mettre à peu près à une trentaine de mètres. On va tirer dans l'extincteur, voir si le souffle, donc de la poudre, éteindra le feu qui est juste devant. Bon, sûrement ça va traverser des deux côtés, donc il y aura aussi le gaz qui va partir derrière, mais on verra ce que ça donne. Allez, on passe à la présentation de l'arme. Donc comme on l'a dit, on va tirer avec du 44 Magnum, donc à l'aide de cette carabine qu'on présentera plus tard dans des vidéos prochaines. Une balle de 44 Magnum, ça ressemble à ça. Et voilà la distance à laquelle on va tirer. Donc on va allumer le feu et on va aller se mettre en position. Alors on va d'abord regarder l'extincteur. Bon, là il y a le trou d'entrée, mais on voit que derrière ça n'a pas traversé, donc c'est resté à l'intérieur. On peut voir qu'il y a les trois quarts de la poudre en fait, jusqu'à ce niveau je pense, qui est resté à l'intérieur parce que quand elle secoue, il y a vraiment toute la poudre qui tombe dedans. Le feu s'est pas éteint, bon, ça l'a pas mal atténué, mais bon au final il n'est pas éteint. Voilà pour cette petite vidéo, on espère que ça vous a plu. Donc bon, le défi est à moitié réussi puisqu'on pensait que ça éteindrait complètement le feu, que le souffle de poudre serait quand même plus important. Bon, c'était quand même sympa de voir ce que ça fait de tirer sur un extincteur. Et pour les prochaines vidéos, on a eu pas mal de commentaires qui nous le demandaient. Donc on va faire la présentation de nos armes avec les caractéristiques et les choses à savoir sur ces armes là. Et en même temps on tirera avec pour faire un test sur cible. Voilà, donc on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut. Salut.